Hip-hop Soul Radio. Génération. Yo, 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 c'est Balou comme d'hab avec le frérot, l'homme qu'on appelle le FOJ, Sissoko, et on est avec la SKG, ça va ou quoi les gars? Cool ou quoi? Tranquille, on est là. Bon déjà, la première question c'est, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que ça signifie SKG? SKG, ça veut dire bah, tout simplement, c'est nos initiales, hein. Je m'appelle Sidi, okay. Je m'appelle Kai, okay. Et G pour gang. Hein. Ok, cool, voilà, cool. Tout simplement. On n'a pas cherché à... Bon, depuis que vous êtes venu à Génération, vous avez fait la détection. Là, vous avez enchaîné les millions. C'est comment les femmes, là? Wow, hein, toi, t'es direct comme ça. Moi, je pense ça direct, moi. Je blague pas. Hein. Il a dit direct, c'est comment les femmes? Non, ça va, c'est des mecs posés. Il a pris son air sérieux, lui. Dans le calme. Bon, moi, j'ai envie de vous faire un petit questionnaire rapide pour savoir qui vous êtes. Comme, je sais que vous avez déjà fait la détection, mais j'ai envie, pour ceux qui regardent la vidéo qui est là, qu'ils apprennent à vous connaître personnellement. Donc déjà, vous avez déjà dit les noms. C'est quoi votre âge? 19 ans, moi j'ai 19 ans. 19 et moi 20. Ok, 20 ans. Ville? Montigny. 7-8. 118. 7-8, ok, pareil. Ouais. Nombre d'années dans le rap? Moi ça fait 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Moi je sais pas, c'est depuis j'ai 12 ans. 12 ans? 12-13 ans, ça veut dire que je sais pas. Ça fait 7 ans, ouais. 7 ans. T'as mis du temps là. Entre 12 ans et 20 ans, c'est pas long. Et situation amoureuse? Célibataire. Célibataire aussi. Bon, il t'a mis plus de temps à répondre que lui, quand même. Ouais. Ok, célibataire. Du coup, vous, j'ai écouté vos sons. Vous êtes plutôt dans la drill, là. Exactement, c'est ça notre style un peu. Mais attention, drill de Londres ou de Chicago? De Londres. Ouah, les mecs. Moi, j'ai plus dans Londres. Moi, drill de Londres, j'avoue, j'ai pas trop. C'est quoi le délire de la drill de Londres? Ucadrill. Ça, la Ucadrill. Okay. Ouais, j'en ai entendu parler. Comment mais... vous êtes rentré dans ça? C'est quoi qui vous a. C'est ben justement, on a commencé à rentrer dans la drill au moment où on a fait le son Casa de Papel. C'est on cherchait une prod, tout ça. Ouais. Après, d'un coup, on trouve cette prod. Ouais. On s'est dit, celle-là, elle est lourde à pète, énergie, tout ça. Et c'est après qu'on a su qu'en fait, ça, c'était du drill, en fait. Okay. Et le délire Casa de Papel, il est venu, bon, forcément de la série. Vous êtes des passionnés de série ou c'est juste un délire comme ça que vous avez fait? Ouais, on aime bien la série. Ouais. On l'a regardé, la série. On a kiffé dessus. Ouais. On a kiffé dessus et... Ensuite, on s'est dit, ce serait pas bon, mal. Maintenant, qu'est-ce qui a changé après ce morceau? Parce qu'il y a eu quand même des millions et des millions de vues. Tout. Tout ouais, beaucoup de choses. C'est-à-dire, genre, signature, il y a eu quoi après? Quand tu me dis tout, c'est large tout. Ouais, bah ouais. En vrai de vrai. Avant, dans le rap, on pouvait pas se permettre de. Je sais pas, avant, par exemple, le studio, c'était un peu dur, on pouvait pas aller tout le temps. Ouais. Les clips, fallait on cotise nous tous pour faire un clip. J'ai capté. Un caméraman pas trop cher, tu vois. Maintenant, on peut se permettre de faire des bons clips, tout ça. Donc, c'est-à-dire, franchement, Casa de Papel, ça nous a apporté beaucoup de choses maintenant. Voilà. Donc là, du coup. Ça nous a ouvert des portes. Ouais, ça nous a ouvert beaucoup de choses. Du coup, vous pouvez remercier Netflix. merci Netflix, Casa de Papel. Ah ouais, Casa del Papel. Mais du coup, vous avez des références d'artistes sinon, tout ce qui est drill, tout ça? Dans la drill? Pas du tout. Ouais. Des gens qui vous inspirent par exemple, il y a des gens que... Moi dans la drill, moi je connais pas de... Okay, personne. Non, je connais personne. Aucun artiste. On est beaucoup en contact avec les beatmakers de là-bas, de Londres. Ouais. Ok, lourd. Mais rappeurs, pas trop. Rappeurs, non. Mais vous avez fait des allers-retours là-bas un peu ou... Non, pas, même pas. Mais là pour l'instant c'est juste... Ouais, si on y compte, on compte le faire ça. Ouais. Ok, bon. On a parlé du gros buzz de Casa de Papel. Est-ce qu'il y a d'autres séries que vous validez en ce moment, que vous regardez? Vous êtes des mecs des séries ou pas Ouais. Tu regardes quoi toi en ce moment? Moi je regarde Murder. Murder, ouais, c'est lourd. Hein. Murder. Ah ouais, Analyse. Ouais. Analyse Kitching. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Ouais. Toi t'es pas dedans? Si on est dans les séries, mais je sais pas. Mais lui il a l'air fier là-bas là. Il a dit on est, il s'est gratté la tête du fait. Ça c'est stick me comment il l'a fait. Du coup, dans un son, vous dites je veux du Khalis. Vous, c'est quoi le truc le plus ouf? Et dit du Khalis. Attends, voilà, Jean, Khalis, c'est l'argent. J'en veux tellement. Voilà. J'en veux tellement. Voilà, j'en veux tellement du Khalis. Ouais. Vous, c'est quoi le truc le plus ouf que vous seriez prêt à faire pour avoir du Khalis? Là, on parle de trucs du genre, je sais pas, il y a une mémé qui est dans la rue, elle dit, prends-moi maintenant, je te donne 1 million. Toi, t'es que dans les meufs, toi, c'est ça? Non, mais quoi, tu veux que je change, dis un mec? Non, voilà, non, donc, gros, une mémé. Pour 1 million. Elle dit quoi? 1 million d'euros, ouais. Prends-moi. Prends-moi, c'est-à-dire? Kidnappe-moi? Je sais pas. Lui, il a dit kidnappe-moi. Kidnappe-moi. Ah ouais, lui, il est sombre. Lui, il a posé la question. Moi, je sais pas encore. C'est quoi? Soit je la kidnappe, tu vas pas prendre c'est une mémé. C'est quoi le truc? Non, ah ouais, c'est la rue. Je la marie, c'est quoi? Ouais, tu peux la marier pour 1 million. Un million, c'est pas assez. Mes courses. Non, je le prends, c'est court. Carrément, même comme t'as dit 1 million, 1 million, c'est pas assez.
Un million, c'est vraiment pas assez. Quand on dit du rallye, j'en veux tellement, c'est vraiment du vrai papier. Ah ouais. Un million, une vraie somme. Ouais, ouais, moi je parle de petites sommes là. Attends, j'avoue, là, t'es dans les petites sommes. Ah ouais. J'ai capté. Vous avez un morceau, le rap ou la rue. Pour vous, c'est pas possible de faire les deux. C'est soit t'es dans le rap, soit t'es dans la rue. Ouais, non, c'est pas possible. Faire un choix. Donc c'est-à-dire que les rappeurs qui font un peu le mec de la rue, vous pensez que c'est du bluff un peu? Non, mais au final, ça paye pas. Ouais. Ça paye pas au final. Mmh. Tu peux pas, c'est impossible de suivre les deux. Et du coup, vous êtes investi à 100% là dans le peura, rap, quoi. Ouais, mmh. Le rap. On essaye de s'investir à 100%. Je suis allé sur votre Insta. Mmh. J'ai vu qu'il y a un clip qui arrivait le 29, la fin du mois, là, le 29 ouais, mars. Quelques jours, là, tellement. Le 29. Du coup, ça s'est passé comment, là, le clip? Il y a des anecdotes de malade, là. Ah, c'était lourd, hein. On est parti avec un grand chez nous, un pote. Au calme, on est parti faire le clip avec l'équipe. C'était lourd, franchement, dans le sud. En même temps, on a profité. Ah, c'était dans le sud. Ouais, c'était dans le sud. Ah, donc il y a eu un voyage. Ouais, ouais. Il n'y a pas eu de fille, il n'y a pas eu de fille. Tu vois, non, mais quoi, t'as capté? Désamorce-le. Non, désamorce-le. Non, je parle pas de fille. Je parle pas de fille. Mais quand tu vas en voyage avec tes potos. Obligé, il y a des anecdotes. Voilà, obligé, il y a des dossiers. Vous devez avoir des bonnes anecdotes tous les deux. Vous deux. On peut pas s'afficher comme ça, afficher les anecdotes. Vois, on a des anecdotes, on les garde pour nous. C'est lourd. Non, vous avez raison, c'est bien. C'est bien, il vous a pas fait flancher. Et du coup, vous venez du 7-8. Est-ce que vous avez des inspirations de mecs du 7-8 que vous regardiez quand vous étiez plus jeune? Moi, c'était plus des grands de chez moi. Des ouais. grands de chez vous ouais, grands chez moi. Bah, qui aujourd'hui sont nos managers. Ok, ouais. Cool, lourd. Voilà. Donc là, vous allez remettre. Parce que j'avoue, ça fait longtemps qu'il y a pas eu des rappeurs du 7-8 qui ont frappé ça, fort. Dans le 7-8, je sais pas, c'est bizarre, on dirait. C'est bizarre. Vous c'est avez bizarre. Eu, par contre, 7-8, non, vous avez eu du monde, il y a eu des humoristes, show, comédiens, ouais. humoristes. Ouais, ouais. Non, mais il y a de la star mais dans, là-bas. Mais dans le rap, j'ai envie de dire, je sais pas, depuis la Fouine, c'est ouais. bizarre. Après. Ouais, c'est un ouais. peu. Ça, c'est un peu. Bon, c'est le moment de mettre la carte sur le truc. Exactement, c'est le moment de réouvrir les portes. De réouvrir les portes. Parce que là, le 9-1, ils prennent tout. Ouais, là c'est le 9-1. Le 9-1 ils sont énervés de ouf. Le 9-3 aussi qui était chaud. Là faut que le 7-8 arrive et j'espère que vous allez vous allez tout péter. Il y a quoi qui arrive prochainement pour vous? On sait qu'on a parlé d'un clip. Est-ce qu'il y a d'autres je sais pas sons qui vont sortir des... Ouais, on va décider de lancer un petit concept de freestyle, de balancer des, tu sais, juste histoire d'avoir de l'actualité en tout cas, ouais, tu vois ce que ouais, je veux dire des... En attendant qu'on prépare l'album. OK. Ouais, OK, donc là vous allez sur un album directement ouais, après. On va préparer sur un petit album. Donc là le projet qui est sorti le 1er février. Vous deux, c'est quoi votre son préféré du projet? Moi, mon son préféré, moi c'est... Hormis Casa del Papel, hein, qui a ouvert toutes les portes. Moi, c'est Cramé. Cramé? Ouais, Cramé. Mmh, mmh. Et toi? Pas du même camp. Pas du même camp? Ouais. Ok. Pas du même camp, ça. Ok, cool. Bon, on attend le prochain projet et j'espère que vous allez tout frapper, les gars. Bah, j'espère. Hein. En tout cas, il y a une évolution, hein, de la détection à l'interview. De ouf, hein, de ouf, de la détection à l'interview. Il ouais, y a eu du mouvement et on vous souhaite le meilleur. Là, on va enchaîner avec un live. Vous êtes chaud? Pas de problème. Toujours. Toujours. En tout cas, je tiens à dire que vous avez été aucunement déstabilisé par le frérot. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, il essaie de vous déstabiliser. Non, il t'a dit, ouais, une mémé, tu fais quoi? Tu lui as dit, je la kidnappe. Ça, je m'attendais pas à ça. Ouais, moi non plus. On la kidnappe ou tu vois? Non, bien joué. C'est vous êtes rentré dans son cerveau. Vous êtes chaud. Force à vous, en tout cas, les gars. Force à vous aussi.